Hello à toutes, bienvenue sur ma chaîne Atamélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça va être une vidéo un petit peu fourre-tout. Tout simplement, je vais m'expliquer parce que ça fait un petit bout de temps que mon appareil en fait déconne. Voilà, il est parti en réparation et du coup, on m'a prêté une caméra pour pouvoir vous filmer cette vidéo. Et du coup, voilà, depuis le temps, j'ai pas eu le temps de faire de haul. Vous avez vu que j'ai acheté pas mal de choses ces derniers temps, mais j'ai pas du tout eu le temps de filmer. J'ai pas eu le temps de faire de favoris. Si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui passe. Je vous montre quand même ce que j'ai acheté. Ces derniers temps, c'est un haul plutôt d'été. On arrive forcément à l'été et j'avais besoin de maillots de bain. Et ça fait un petit moment que je tourne un peu sur internet et je trouve pas ce que je veux. Vous avez vu mon expérience du maillot de bain Zara. Si vous l'avez pas vu, je vous passe les détails, mais en gros c'était une catastrophe. Je me suis retrouvée les nibards à l'air en plein milieu de la piscine. Voilà, c'était pas possible. J'ai tourné un petit peu sur internet, pas de gros coup de cœur, et je suis allée en me promenant comme ça dans la boutique Undies, et ils ont toute un rayon maillot de bain, tous très différents, mais tous plus beaux les uns que les autres. Voilà ce que j'ai trouvé. Ce modèle-là, donc assez bariolé, très flashy, très fresh, et c'est exactement ce que je cherchais. Sachant que j'ai pris le bas qui va avec, mais moi ce que j'aime énormément, c'est dépareiller. Donc vous me verrez rarement avec un maillot de bain assorti, le haut et le bas. Donc le haut comme ça, je me suis dit avec une culotte blanche par exemple, ou même noire, ça ira parfaitement. Donc coup de cœur pour celui-ci. Et donc le bas qui se présente comme ça. Bon, certes un peu échancré, on est plus voilà, sur un tanga. Je sais pas trop ce que ça va donner, je me suis dit bon allez soyons fous un peu cet été. Donc je le trouvais vraiment très sympa, les motifs sont vraiment très jolis. J'ai pris également donc juste le bas parce que le motif me plaisait. On est sur un modèle très échancré, donc style tanga. Je suis allée chez Princesse Tam Tam et là forcément au niveau budget c'est un peu plus élevé. Mais j'ai flashé sur ce maillot de bain là. Donc comme ça. Donc il y a des petits volants au niveau de la poitrine. Et je trouvais chou comme tout. Et par exemple, avec le bas, on est pas mal du tout. J'ai pris le bas de maillot de bain en blanc, très basique. Et chez Princesse Tam Tam, j'avais pris aussi juste ce bas-là. Donc assez classique, mais avec un haut blanc par exemple pour dépareiller complètement. Voilà. Je suis allée faire un tour chez Monoprix. J'aime beaucoup Monoprix en temps normal, mais je trouve que l'été ils ont un petit truc, ils ont beaucoup de choix en maillot de bain, en serviettes de plage, tout ce qui est pyjama d'été, etc. Ils ont vraiment beaucoup de choses. Et là ils avaient toute une série de. J'ai perdu de Futa à 9,90€, je trouve vraiment très raisonnable. Tous les coloris en rouge, en bleu, en rose ou que sais-je, il y a vraiment énormément de choix. Et donc j'ai pris pour moi et mon mari donc la teinte assez sobre, donc noire et avec une petite pente rouge. Donc je trouve que c'est pas mal du tout, c'est tout en coton et moi j'aime bien ce genre de... Bon, c'est pas le genre de truc avec quoi vous vous essuyez quand vous sortez de la piscine, mais prenez toujours une serviette un peu plus éponge pour s'essuyer. Mais voilà, juste pour bronzer. Et pour les enfants, j'ai pris le coloris bleu. Donc un peu plus sympa, un peu plus gai disons pour les petits en bleu comme ça. On continue dans les articles d'été. Je me suis acheté un véritable Panama depuis le temps que j'en voulais un. Et il y a une magnifique boutique à Bastia où on trouve ce type de chapeau. C'est pas mal, non? Un beau matin, le livreur arrive et me livre un colis. Donc une marque qui m'a envoyé une paire de lunettes. Je n'étais au courant de rien. Donc ma foi, j'allais pas m'en priver. Donc c'est la marque Komono. Donc je ne connaissais pas du tout. Je vous mettrai en barre d'infos le site où on peut les trouver. Et autre modèle que j'ai trouvé chez Mango, qui est un peu une copie des lunettes Miu Miu. Pour les avoir essayées, les Miu Miu, je trouvais que ça m'allait pas du tout. J'ai l'impression qu'elles sont encore plus grandes que celles-ci. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, ça habille tout de suite le visage, comme j'ai un grand front par exemple, ça peut combler tout à fait. Voilà pour ça, je vais peut-être les enlever quand même pour vous parler, ça donnera un peu mieux. Ces boucles d'oreilles là, et que je mettrais, si j'avais fait une vidéo favori, je les aurais mises dedans. Donc c'est celle-ci, vous avez pu les apercevoir sur Instagram. Ce sont ces boucles d'oreilles là,
Donc, je les aime énormément. Elles habillent de suite les oreilles. Je trouve que ça remplace même un collier parce qu'elles sont vraiment très grosses. Et du coup, voilà, on n'a pas la place de mettre un collier avec ça. Et je trouve que c'est les indispensables de l'été. Osez mettre des grosses boucles d'oreilles. Il y a plein de petites pampilles. C'est un peu la tendance en ce moment. Vous en trouvez un peu partout. Celles-ci viennent de chez Mango. Je pense que vous pouvez encore les trouver parce que je les ai achetées tout récemment sur le site. Et elles me plaisent énormément. Gros coup de cœur pour ces boucles d'oreilles-là. Autre article pour lequel j'ai eu un réel coup de cœur à la boutique Mango, c'est assez particulier, je vous l'accorde, mais justement, je trouvais qu'elles avaient leur petit quelque chose en plus ou en moins, ça dépend de quel côté vous allez vous trouver. Mais moi, j'ai vraiment coup de cœur pour ces claquettes. Vraiment, elles sont choues comme tout, donc c'est un peu des petites franges en paille, comme ça me fait penser, vous savez, les parasols que vous trouvez au petit bar du village. Je les trouve mignonnes et ça me rappelle, je sais pas, ça me rappelle mon enfance. Je pense qu'il devait y avoir déjà un petit peu quand j'étais plus petite ce genre de claquettes là. J'ai déjà vu ça quelque part. La forme claquette comme ça, voilà, revient énormément et avec les franges comme ça, je les trouve cute comme tout quoi. Autre gros craquage de slip, ce sont ces chaussures. Pareil, Isabelle Marant, ça fait maintenant, je pense, au moins 4 saisons qu'on voit ces chaussures-là, ces sandales. Donc, elles sont assez connues, hein, vous les voyez un peu partout. Mais chaque année, je me disais, bon, allez, je vais les prendre. Et voilà, vu le prix, forcément, on réfléchit. Et puis là, cette année, je me suis décidée, je les ai prises. Je ne savais pas du tout, quand je suis rentrée dans la boutique, quel coloris j'allais prendre. Je voulais absolument tous les essayer. Donc, j'ai fait tout sortir à la vendeuse. Je pense qu'à cette heure-ci, elle doit me détester, c'est sûr. Je voulais voir le camel, je voulais voir le noir, je voulais voir celle-ci en kaki. Mais vraiment sans regret, elles me plaisent vraiment beaucoup. Elles vont avec tout, que ce soit avec des shorts, des robes, des jupes. Et voilà, je les mettrai dans mes favoris également. Autre achat que j'ai fait tout récemment dans la boutique Mango, ce petit top là. Donc, il fait partie de la nouvelle collection. Moi qui porte pas trop des tops où on voit mon ventre, là je me suis dit je vais prendre une taille au-dessus de façon à ce qu'il soit pas trop trop court. Donc j'ai pris une taille M, donc j'ai pris deux tailles au-dessus, pas le XS, mais j'ai bien pris le M. Les bretelles tombent un petit peu plus bas et ce qui fait que le top voilà, couvre mon ventre. Vous allez me voir porter très bientôt en photo ou en vidéo ou que sais-je. Autre article que j'ai acheté tout récemment parce que j'ai fait une course en montagne dernièrement. J'ai fait un trail en montagne et j'ai fait 11 km, donc je suis plutôt fière de moi, je m'applaudis. J'en ai chié, hein, soyons clairs. En plus, c'était le seul jour de l'année où il a fait, je pense, 40 degrés à 9h du matin pour vous dire. Il y avait plein d'autres gens et c'était vraiment super. Bon, j'ai pas fait vraiment pour la compète parce que je savais que j'allais pas arriver première, si vous voyez ce que je veux dire. Je voulais aller voir un petit peu où étaient mes limites, sachant que moi j'ai l'habitude de courir sur du plat. Donc là, c'était vraiment en montagne avec voilà, des côtes comme ça, des descentes comme ça. Donc, je voulais vraiment voir ce que ça allait donner et j'étais agréablement surprise. Vraiment, je m'attendais pas à réussir ce challenge-là. Et du coup, ce truc-là m'a juste sauvé la vie. Donc, en fait, c'est tout simplement une ceinture que, bon, je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent, mais que vous mettez autour de la taille. Voilà, on met ça dans le dos généralement. Et donc, ce sont deux petites gourdes comme ça, que vous remplissez d'eau tout simplement, que vous pouvez mettre au congèle parce que sur par exemple ici il fait très très chaud et du coup tu les mets au congèle et déjà 2 heures après c'est complètement fondu. Moi qui n'ai pas l'habitude de boire quand je cours, et ben du coup c'est pas mal du tout. Là on va arriver quand même aux grosses chaleurs, ça va me permettre quand même de courir et de moins fatiguer parce que je vais pouvoir m'hydrater assez facilement en ayant ce truc là autour de la taille. Donc j'ai pris Nike, mais je pense qu'il existe dans plein d'autres marques. Mais vraiment très très pratique ce truc-là que je mettrai quand même dans mes favoris. Ces chaussures-là que vous avez vues certainement dans ma vidéo sport tout récemment sur ma chaîne. Je suis trop bien dans ces godasses, c'est un truc de fou, des vrais chaussons. Et encore plus parce que certaines le savent, je me suis un peu foulé l'orteil dernièrement. Et du coup, j'étais hyper contente d'avoir ces chaussures-là pour continuer mon sport et tout. Parce que je supportais aucune godasse. Et j'adore le coloris, vraiment coup de cœur pour ce coloris assez fun. Ensuite, on va passer à un tout autre sujet. Je pense que vous êtes quelques-unes à le savoir déjà. J'ai ouvert une boutique de déco. Donc, j'avais déjà ma boutique de vêtements. Et je me suis dit que je pouvais pas rester là-dessus parce que
Voilà, moi j'aime le changement, je m'intéresse à beaucoup de choses et j'avais vraiment envie de me lancer dans ce projet de déco. Donc ça fait pas mal de temps que je suis là-dessus. J'ai pas pu vous en parler en temps et en heure sur YouTube parce que comme je vous l'ai dit, j'ai plus de caméra. Donc je le fais présentement et je vous remercie d'ailleurs parce que vous étiez quand même quelques-unes à le savoir et à me suivre sur Instagram. J'en ai parlé sur Facebook, j'en ai parlé sur mon blog. Vous avez été nombreuses à suivre donc cette mise en ligne et bah, l'accueil a été plutôt top. Vous avez été vraiment très gentilles. J'ai eu beaucoup d'encouragements, de commentaires très positifs et ça fait plaisir de lire ça. Vous avez été nombreuses aussi à commander, donc vraiment je vous remercie pour ça. Je voulais vous en parler un peu sur YouTube, voilà, pour que tout le monde évidemment soit au courant et que ça puisse voilà m'aider tout simplement dans mon projet, dans ce nouveau projet dans lequel je m'investis également à fond. Maintenant il y aura les vêtements et il y aura aussi donc la déco. Donc je vous montre des petits exemples comme ça voilà, que j'ai déjà mis chez moi. Ce genre de petits cadres-là que vous étiez nombreuses à avoir adoré. Moi j'ai un réel coup de cœur, donc je le mettrai dans mes favoris pour les pots comme ça. On ne sait jamais trop où foutre toutes ces dosettes à café qui prennent juste trop de place dans la cuisine. Là, il existe comme ça sur ma boutique, donc des grands bocaux comme ça. J'ai la farine dans le moyen modèle, j'ai mis du riz dans le plus petit. On peut mettre du chocolat en poudre, voilà, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Et dans une cuisine sur l'étagère, je trouve ça super joli. Donc, et pareil pour ce genre de petits pots-là. Enfin, je trouve ça trop choupinou. Bon, il y a plein de choses, évidemment, sur la boutique, il y a plein de. Il y a plein d'autres choses, il y a des coussins, il y a des plaids, il y a des bougies, voilà, il existe plein de choses. J'aime tout ce qu'il y a sur la boutique parce qu'évidemment c'est moi qui les ai choisis personnellement, donc c'est évidemment ça me plaît. Et bah voilà, dites-moi ce que vous en pensez, allez faire un tour sur le site pour celles qui ne connaissaient pas. Comme ça, je vous en ai parlé aussi sur YouTube. Donc j'en profite pour bronzer un petit peu entre les séquences, le soleil trop présent. Je vous ai décalé un tout petit peu sur la gauche parce que j'ai eu un souci avec le soleil trop ensoleillé sur ce côté-là. Donc je me suis mis un petit peu à l'ombre. C'est les aléas de filmer en extérieur. C'est pas grave. Je voulais absolument vous montrer ce rouge à lèvres là. Ça fait. Vous êtes nombreuses à chaque fois à me demander ce que je porte sur les lèvres, sur les photos, etc. C'est toujours celui-ci. Vous n'allez pas être contente parce que c'est un rouge à lèvres qui est pratiquement introuvable à l'heure actuelle. Mais je suis obligée de vous le montrer parce que vous étiez nombreuses. Vous êtes toujours nombreuses à me demander à chaque fois ce que je porte sur les lèvres, sur les photos, sur les vidéos, etc. C'est toujours ces fameux rouges à lèvres, la collection signature donc des Estée Lauder. C'est le Cocoa Rose, donc le numéro 13. Si vous avez la chance peut-être d'avoir une amie qui bosse en parfumerie ou qui pourra peut-être vous trouver cette fin de série et vous refiler ces rouges à lèvres, je vous les conseille fortement, ils sont vraiment top. Donc voilà, je remercie mon amie Céline qui m'en a trouvé 3-4 et du coup je pense que j'en aurai peut-être pour jusqu'à la fin de ma vie. Un avion passe. Je pense qu'on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous fera plaisir et on se retrouve très très bientôt, je l'espère, pour une nouvelle vidéo.